Bonjour, je suis Chloé Turgis, praticienne en hypnose, en sophrologie et en EFT, et je vous propose de découvrir une version abrégée d'une technique issue de la sophrologie qui s'appelle le voyage vers le vieux sage. C'est une pratique, une sorte de visualisation guidée qui peut vous permettre de profiter d'un moment agréable déjà. Et puis aussi, s'il y a un projet qui vous tient à cœur en ce moment, s'il y a une valeur forte aussi qui peut-être vous anime par rapport à ce projet, eh bien vous allez pouvoir mieux vous y relier et puis vous ouvrir potentiellement un autre regard sur les choses par rapport à ce projet, par rapport à cette valeur, trouver peut-être d'autres réponses pour mieux avancer par rapport à tout ça, à l'aide de cette pratique. Alors je vous invite à vous installer au calme, en posture assise, bras et jambes décroisés, avec vos pieds bien posés au sol, et puis à laisser vos yeux se fermer. Les yeux fermés, petit temps de centrage sur vous-même, sur votre présence corporelle, au rythme naturel de votre souffle. Laissez le temps de cette pratique tous les parasitages à l'extérieur de vous, tout ce qui fait obstacle à votre bien-être. Il peut juste rester à la porte de là où vous êtes. Très rapidement, comme on le fait généralement en début de pratique de sophrologie, laissez ensuite votre corps se relaxer davantage. Vous accueillez la présence de votre tête et vous la laissez se décontracter un peu plus au rythme de votre souffle. Puis conscience de tout le reste de votre buste qui peut lui aussi se décontracter davantage à chaque nouvelle expiration. Laissez ensuite tout le bas de votre corps jusqu'à vos pieds se relaxer lui aussi à chaque nouvelle expire. Conscience de la présence de tout votre corps et de la manière dont il se détend davantage à présent, d'une manière très personnelle pour vous. Connecté à votre monde intérieur. Et puis préparez-vous à souffler deux fois par la bouche. Ce sera deux expirations pour mettre à l'extérieur de vous, d'une meilleure manière encore, tout le négatif, tout ce qui fait obstacle à votre bien-être dans l'ici et maintenant. Tout éventuel parasitage qui subsisterait éventuellement. Donc pour cela, prenez une grande inspiration nasale en gonflant votre ventre. Et puis sur un petit temps de rétention d'air, effectuez une douce contraction de tous vos muscles. Vous pouvez serrer les poings, les fessiers, les doigts de pied, prendre conscience du négatif qui reste à expulser. Et à l'expire, vous l'expulsez en soufflant fortement par la bouche, en décontractant tous vos muscles. Et vous profitez ensuite d'une courte pause, les yeux fermés, en respiration naturelle. On va faire une deuxième respiration d'évacuation. De nouveau, vous inspirez par les narines en gonflant votre ventre. Et puis en bloquant l'air quelques instants, douce contraction de tous vos muscles. Prise de conscience de tout le négatif qui reste peut-être pour vous à évacuer. Les pensées, les tensions, le stress, les parasitages. Tout ce qui fait obstacle à votre bien-être et à l'expire, vous l'évacuez, vous décontractez tous vos muscles. Pourquoi pas faire un mouvement des mains vers l'avant, comme on fait en sophrodéplacement du négatif, si vous connaissez. Et grande pause, en respiration naturelle, afin de mieux accueillir les effets positifs pour vous de cette pratique. Encore mieux connecté à votre intériorité. Et c'est justement en restant connecté à votre corps,
à votre conscience, à votre espace intérieur personnel, que je vous invite à présent à vous relier à l'une de vos valeurs personnelles qui vous est forte, qui vous est chère, telle que peut-être, par exemple, l'amour, le lien ou la liberté ou toute autre chose encore. Peut-être une valeur forte pour vous d'équité ou d'autonomie ou autre. Choisissez votre valeur et laissez votre corps la vivre pleinement par la force de votre conscience, de la présence, de la connexion à votre valeur personnelle ici et maintenant, toujours au rythme naturel de votre souffle. Et puis très tranquillement, enrichi au niveau physique et mental par la présence de votre valeur, pleinement connectée à elle, vous allez vous préparer à voyager mentalement, laisser votre conscience voyager en direction d'un vieux sage, plein de bienveillance et de bons conseils pour vous. Pour cela, laissez voyager votre conscience au pied d'une montagne. Laissez venir à vous une magnifique montagne, belle, paisible, à l'atmosphère douce et agréable pour vous. Sachez que le vieux sage que vous allez rencontrer dans quelques instants se trouve au sommet de cette montagne et il vous attend. Vous allez pouvoir dans quelques instants vous confier à lui par rapport à un projet qui vous est cher. Peut-être relié justement à cette valeur que vous avez connectée. Et en attendant de venir rencontrer le vieux sage, prenez le temps de profiter du trajet jusqu'à lui. Alors visualisez-vous, imaginez-vous en train de gravir cette montagne progressivement, d'en suivre un chemin en toute sécurité, depuis le bas de cette montagne jusqu'en haut, en profitant pleinement de tous les bienfaits du trajet pour vous. Que ce soit de l'ambiance agréable qui règne avec cette montagne, ou plus vous cheminez vers le vieux sage, plus vous vous imprégnez peut-être aussi de la force que vous inspire cette montagne. Accueillez aussi tout ce que visuellement elle a à vous offrir d'agréable pour vous, comme couleur, comme lumière, et peut-être aussi comme sonorité agréable, ou comme silence. Quels sont les parfums aussi agréables pour vous sur le chemin de cette montée, de cette élévation de votre conscience jusqu'au sommet de cette montagne? Voilà, vous continuez d'accueillir tout ce qu'il y a de positif pour vous en remontant ce chemin, et vous arrivez bientôt au sommet de cette montagne. Il y a juste devant vous une cabane, et c'est dans cette cabane que se trouve le vieux sage qui vous attend, qui a rendez-vous avec vous. Alors approchez-vous de la porte de cette cabane.
Et c'est le vieux sage qui vous accueille en vous ouvrant la porte et en vous invitant à venir vous asseoir à l'intérieur avec lui, en sa compagnie, en toute bienveillance. Il vous accueille, il vous attendait, et il sait que vous avez quelque chose à partager avec lui. Alors, ouvrez-lui votre cœur. Et parlez-lui de votre projet, porté par vos valeurs, et peut-être l'une d'entre elles en particulier, celle à laquelle vous êtes relié là maintenant. Laissez votre cœur parler pour vous de votre projet, de votre valeur. Pendant que le vieux sage vous écoute, lui aussi avec ouverture de cœur, pleinement attentif, pleinement à l'écoute de tout ce qui vous vient spontanément, du fond du cœur. Laissez-vous même surprendre par les mots ou les images qui peuvent vous venir quand vous vous confiez à lui sur votre projet et votre valeur. Et puis, à un moment donné, laissez venir spontanément à vous une question que votre cœur a envie de poser au vieux sage, peut-être en rapport avec votre projet. Vous lui posez cette question qui vous vient spontanément. Et le vieux sage vous écoute. Et il vous répond lui aussi spontanément. Alors accueillez tous les messages, tous les conseils qu'il a à vous transmettre là maintenant. Par des mots, ou peut-être d'une manière imagée, symbolique, vous accueillez toutes les réponses que vous apporte ici et maintenant le vieux sage. Ainsi que le nouveau regard qu'il vous offre. Vous poursuivez votre dialogue avec le vieux sage. Avant de vous préparer à repartir et reprendre votre route. Alors prenez un temps pour remercier le vieux sage pour son écoute et ses précieux conseils, ses partages. Vous franchissez le seuil de la cabane du vieux sage et vous reprenez votre chemin et vous redescendez graduellement, tranquillement, la montagne et chemin faisant, vous profitez d'un nouveau regard d'ores et déjà sur le monde qui vous entoure, sur ce paysage que vous descendez. Vous êtes enrichi des apports, des partages faits avec le vieux sage.
vous refaites le même chemin, mais c'est presque un peu comme un nouveau chemin qui se dessine pour vous, ici et maintenant. Enrichi d'une nouvelle conscience, de nouvelles réponses peut-être par rapport à votre projet. Peut-être même d'un nouvel alignement par rapport à votre valeur personnelle, celle connectée au départ. Et puis vous arrivez de nouveau en bas de la montagne. Alors laissez votre conscience vous ramener pleinement à vos sensations physiques, dans l'ici et maintenant, dans votre corps, tout en laissant repartir tranquillement cette image de la montagne avec son vieux sage. Vous pourrez le reconsulter si besoin à un autre moment. Sentez tous les bienfaits pour vous de cette expérience, et dans votre corps, et dans votre esprit. Et puis prenez quelques bonnes inspirations pleinement énergisantes. Et réouvrez ensuite les yeux, enrichis de ce voyage. Merci à vous pour votre pratique, j'espère qu'elle vous aura plu. À bientôt, merci.